Salut les loulous, c'est Roro le Costaud. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous le savez, on est parti il n'y a pas longtemps à Marrakech en vacances et ça a été l'occasion de refaire du parapente. La première fois, je n'avais pas pu vous filmer correctement, c'était un peu fait à l'arrache. Cette fois-ci, on avait emmené tout le matériel pour filmer, pour faire une vidéo de qualité. Et donc cette fois-ci, on a sauté tous les trois. Ma chérie, ma fille et moi-même. Et tout ça, vous allez le retrouver dans la vidéo qui suit. Alors vous allez voir que les conditions n'étaient pas faciles. Certes, c'est pas adapté à 100% pour quelqu'un en fauteuil roulant, mais je peux vous dire que les Marocains, ils se débrouillent bien mieux que nous pour l'accessibilité. Enfin, quand je dis accessibilité, surtout sur le système D, parce que justement, c'est pas très accessible. Allez, mais moi je vous abandonne et on se retrouve tout de suite dans le désert au Maroc. Oh sa mère! Ça va là! Ah, génial! Là, c'est bon! Et ça fait flipper au début quand même! Hop! Putain! C'est comme ça, ça sort bien. Ouais, ça c'est va. Bon, maintenant, là, c'est bon. Ah, yes. Ah non, ça fait peur au début, là, tout le vent, là. Oui, parce que c'est le vent, c'est fort. Ouais. Alors, c'était comment? Ça va? Alors, honnêtement, ça fait flipper parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. Oui. Mais là, maintenant, c'est génial, quoi. Oui, maintenant, ça va. Bon, bah, je crois qu'on y est, hein. Ça y est, hein. On va voler. Hein. Il y en a déjà une qui a volé, ça y est, vous l'avez vu. Madame Loulou, t'es prête? Voilà. T'es pas stressée? La Mercedes. La Mercedes, regarde. Ça, c'est pour l'entrée. Là, je suis. Pacha. Toi, c'est la Mercedes, là. Moi, je suis dans la. Un vrai Pacha. Moi, je suis dans la Rolls Royce, là. Il y a ma chambre, c'est là. J'en aurais fait des câlins à tout le monde, moi, dans ce voyage. Je fais des câlins à tout le monde. Cette fois, t'as l'impression qu'on va emmener le fauteuil pour voler. J'ai jamais emmené ça encore. On va te filmer dans l'autre sens. Comme ça ? Voilà. Si. T'as quoi, là ? Tant pis pour la coupe de cheveux. Attention vos pieds, madame. Attention à toi, il y a une marche. En arrière. Il a une roulette derrière. Non, ouais, parce que parce qu'on a besoin du vent dynamique. Ah oui, je rigole. Parce que là, il est pas grand le fauteuil. T'es prête à faire le grand saut? Elle vient de dire non. Après, tu voudras refaire. Bon, monsieur. Moi, ça va. Moi, ça va. En vrai, c'est pas bon quand il y a plus de stress. Et Loulou, elle a dit ouais, je suis stressée. Tu voulais rester plus longtemps en vol. Salut Patrick! Ça va Patrick? Tu vois, grâce à toi, regarde où on va, on fait n'importe quoi! C'est génial! Allez! Trop bien! C'est la première fois pour toi? Non, j'ai volé souvent! En fait, avant d'avoir mon accident, je faisais du parapente. Ah oui? Ouais, mais j'ai pas eu le temps de passer mon brevet. J'ai fait des stages et après j'ai revolé depuis que je suis en fauteuil, mais en France. Où ça? J'ai volé en Haute-Savoie, vers le Léman. Ah, je connais pas. Et vers Annecy. Annecy, c'est bon. Et après... Ah, je connais pas ce que c'est. Ah bah c'est beau là-bas. Et après Grenoble, à Saint-Hilaire-du-Touvet, là où il y a la Coupe Icare. Oh là-bas. Ah ouais, mais c'est là-bas où j'ai fait mes stages.
Madame Luna, coucou. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Parapente. Une parapente. Et vos impressions là pour l'instant? Stressée. Tu flippes? Oui. Est-ce que... Content, tu vois, à 10 ans de lui faire faire ça. Il a 10 ans. Elle a 10 ans, ça lui fait des souvenirs, elle les aura toute sa vie, ça. Mais il a déjà fait le parapente avant. Jamais. C'est la première fois. La première fois. Allez, Luna, allez. Allez, Luna. Voilà ton père, coucou, Luna. Luna. Dis bonjour à lui. Ça va, tu es bien assise? Oui. Ok. T'as pas peur? Ah, mais c'est ce que je te raconte avant. C'est juste un truc du coup, et après le du coup là c'est fini. Ok. Est-ce que là-bas? Est-ce que là-bas? Alléluia. Il me fait kiffer, on a une belle vue, hein, je peux vous dire. Vous le voyez. Bienvenue au Maroc. Bienvenue au Maroc, exactement. Et aussi un petit dédicace pour tous les pilotes de la France. Voilà. Bonjour à tous les pilotes de parapente.
va, toujours la caméra où? Tu sais qu'on va se cracher dans l'atterrissage parce qu'il est... Il est trop devant. Oh, oh merde, merde, comment on va descendre? Demande quelqu'un de faire une petite attestation là. Tes impressions? C'était trop bien. C'était trop bien? Ouais. T'as adoré tourner? Ouais. C'était trop bien? Ouais. C'était un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. J'ai tout ému. Oh merde. Ah, ça fait du bien, bordel. Ah, puis je suis content qu'elle ait vécu ça. C'était trop bien. Ouais. Ah. Est-ce que j'ai fait comme le monsieur où on a vu tourner là? Exactement pareil, t'as fait pire. Pire. Pire, mais on te montrera en vidéo. Mmh. Bon, en tout cas, franchement, profitez. C'est trop bien. Bon, et ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a vraiment passé un moment incroyable. C'est des souvenirs gravés à tout jamais ici, je peux vous assurer. Il n'y avait pas spécialement de matériel adapté, mais ils ont assuré comme des chefs, c'était trop bien. Bref, je retournerai au Maroc et je retournerai faire du parapente, ça c'est sûr. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout mettez-moi un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un vlog complet de Marrakech, ça va être terrible. À bientôt.